À force de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, je suis obligé de me tracer la tête. D'autres, à force de ne pas pouvoir tirer leur cou, vont avoir l'impression de porter un cercouille. Au fond, péter dans la soie, ça pue autant que dans n'importe quel tissu. Par rapport au prince charmant, j'ai un inconvénient majeur et un avantage indéniable. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas parfait. L'avantage, c'est que moi au moins, j'existe. La vraie solution au problème du harcèlement scolaire, personne n'ose la donner. Et c'est quoi alors? Y'a qu'à exclure des écoles les gamins pas normaux. Les enfants juifs envoyés à Auschwitz, ils risquaient plus de se faire traiter du houpin par leurs camarades. Pff, on fait trop passer les appels ici. Hein. Il avait absolument besoin, quand il pleuvait, de se protéger les cheveux avec une capuche. C'était en quelque sorte un impératif. Marie Le Néru était à moitié aveugle et complètement sourde. Ça ne l'a pas empêché d'écrire. Éric Zemmour n'a pas défaut de vision et entend très bien, et ça n'empêche pas non plus d'écrire. Hélas.